Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire ce petit bonhomme de neige. Alors, je crois que c'est un super projet pour euh, les idées cadeaux de dernière minute pour Noël. Il s'agit d'un patron sans couture, donc vous n'aurez rien à coudre. Alors, j'espère vraiment que vous allez aimer faire ce petit bonhomme de neige avec moi. Assurez-vous de prendre le temps de regarder la description au bas de la vidéo pour avoir plusieurs informations comme la liste de matériel que j'ai utilisé, les liens vers mes réseaux sociaux et plus. Si jamais à tout moment dans la vidéo je vais trop lentement ou trop vite pour vous, sachez que vous pouvez changer la vitesse de la vidéo sous les paramètres en dessous de vitesse de lecture. Prendre note également que ceci n'est pas un cours de crochet, donc assurez-vous de savoir crocheter euh, les bases afin de suivre ce tutoriel. Et maintenant voici la liste de matériel que vous aurez de besoin pour faire ce bonhomme de neige. Alors commençons, vous allez avoir besoin de votre crochet 6.5 mm et votre laine blanquette dans le blanc. Alors vous allez commencer en faisant un nœud coulant. Alors je vais simplement enrouler le bout de laine autour de deux doigts. Je vais tourner mes doigts pour voir mes ongles. Je vais insérer le crochet sous le premier brin de laine et je vais agripper le deuxième. Je vais tirer mon crochet vers le haut. tenir les deux fils et tirer sur les deux fils en même temps pour créer mon nœud coulant. Et maintenant, vous allez pouvoir tirer sur le fil pour serrer la boucle sur le crochet. Maintenant, on va venir faire deux mailles en l'air. Alors, pour faire une maille en l'air, on doit euh, faire un jeté. Donc, c'est d'enrouler la laine sur le crochet. Et ensuite, on va passer la laine dans la boucle qui est sur le crochet pour faire notre maille en l'air. Comme ça. Alors là, ici, j'ai deux mailles en l'air de compléter. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire 8 mailles serrées dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, donc dans celle-ci. Et comme j'ai dit, je vais faire 8 mailles serrées. Donc j'insère mon crochet. Et pour ce, ce tutoriel, je vais faire euh, la méthode du jeté en dessous. Donc pour le premier jeté, je vais m'assurer que ma laine est sous le crochet. Je vais tirer la laine au travers de la maille en l'air pour avoir deux boucles sur mon crochet. Et ensuite, je vais faire un jeté par-dessus. Et je vais tirer au travers des deux boucles sur le crochet. Alors ça, ça me fait une maille serrée. Je vais réinsérer mon crochet dans la même maille en l'air. Je vais faire mon jeté en dessous. Je tire au travers. Je fais un jeté par-dessus. Et je tire au travers. Donc ça, ça me fait deux mailles serrées. Et je veux faire un total de huit mailles serrées. Donc ça me fait trois, quatre, cinq. 7 et j'en fais une dernière pour avoir un total de 8 alors là ça ressemble à cela et là ce qui me reste à faire c'est de tirer sur mon brin de laine pour fermer l'ouverture euh, au centre des mailles donc faites attention pour pas tirer trop fort pour pas briser la laine c'est quelque chose qui arrive souvent avec la laine blanquette donc juste d'y aller doucement pour fermer l'ouverture au centre des mailles et avoir notre premier tour de compléter. Et ce tour-ci va euh, représenter le dessus de la tête. Vous voulez vous assurer aussi d'avoir le petit fil qui vient du nœud coulant qui va rester à l'intérieur de la tête. Et maintenant, je vais trouver la première maille pour aller commencer mon tour 2. Donc, je vais compter de la fin, donc de la dernière maille à la première. Alors, je vais m'assurer d'aller dans la bonne 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais aller insérer mon crochet dans cette maille-ci pour faire une augmentation. Donc, une augmentation, c'est en fait deux mailles serrées dans la même maille. Alors, je vais insérer mon crochet. Je vais venir faire ma première maille serrée. Comme ça. Et là, je vais venir mettre mon marqueur de maille dans la première maille pour identifier le début de mon tour. Et ensuite, comme on fait des augmentations, je vais réinsérer le crochet dans la même maille pour venir faire une autre maille serrée et donc compléter mon augmentation. Alors là, j'ai deux mailles serrées de fait dans mon tour 2 et je vais faire des augmentations autour. Donc dans chacune des mailles, je vais faire deux mailles serrées pour avoir un total à la fin du tour 2 de 16 mailles serrées. Alors là, j'ai fait ma deuxième augmentation. Alors, j'ai quatre mailles et on compte toujours la première maille euh, où le marqueur de maille est. Donc là, je vais continuer comme ça. Je suis en train de faire ma troisième augmentation. Et je vais continuer comme ça et on va se rejoindre à la fin du tour 2. Me voici donc à la fin du tour 2 avec euh, 16 mailles serrées autour et ça ressemble à ça. Donc maintenant, je vais commencer mon tour 3 et pour les tours 3 à 5, on va en fait garder le même nombre de mailles totales. Alors, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles pour garder le même nombre qui est de 16 mailles autour. Et on va faire ça pour les tours 3, 4 et 5. Alors, je vais commencer par faire ma première maille serrée. Je vais remettre mon marqueur de maille pour identifier ma première maille de ce tour. Et ensuite, comme j'ai dit, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de ce tour-là pour faire mon tour 3. Donc là, j'en ai une, deux. Je vais aller dans la prochaine. Et des fois, c'est difficile de savoir où sont les mailles avec cette sorte de laine-là. Donc, vous pouvez vraiment étirer la laine avec vos doigts pour essayer de sentir un petit trou et savoir où insérer le crochet. Donc juste prenez votre temps et assurez-vous de ne pas sauter de mailles et de ne pas non plus réinsérer le crochet dans la même maille. Donc vous voulez vraiment avoir le même nombre de mailles à la fin du tour. Alors je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, le dessus de ma tête ressemble à ça pour l'instant, donc je vais juste virer les mailles de l'autre côté, donc vous voyez que les mailles vont vers vous. Alors là, je vais juste les envoyer de l'autre côté pour m'assurer d'avoir le bon côté des mailles qui euh, apparaît. Et vous voyez que le fil de mon nœud coulant est à l'intérieur de la tête. Alors je vais vous laisser faire les tours 4 et 5 de la même façon qu'on vient de faire le tour 3. Et on va se rejoindre à la fin du tour 5 avec nos 16 mailles. Et voilà, je suis à la fin du tour 5, ma tête ressemble à ceci. J'ai 16 mailles dans mon tour et le fil de mon nœud coulant est à l'intérieur de la tête. Juste comme ça. Et là, je vais vous montrer comment placer les yeux de sécurité. Alors, j'utilise des yeux de 12 mm. Vous voyez un petit peu de brillant argent dans les yeux. Alors, juste des petits yeux comme ça. Et je vais placer mon premier œil entre les tours 4 et 5. Et je vais juste l'insérer entre deux mailles tout simplement. Et je vais garder le marqueur de maille à l'arrière de ma tête euh, pour que ce soit l'arrière de la tête. Et maintenant, je vais juste prendre le deuxième oeil et je vais compter trois espaces entre les mailles pour placer mon deuxième. Donc ici, c'est un espace entre les mailles, deux, trois. Et je vais insérer mon deuxième oeil juste ici. Donc là, ça ressemble à ça. Et pour sécuriser les yeux, je vais utiliser les petites parties arrière que je vais venir placer à l'intérieur de la tête. Alors je pousse avec mes doigts et je m'assure que c'est bien en place. Et vous voulez vous assurer que vous aimez bien le positionnement des yeux parce que vous n'allez pas pouvoir les déplacer par la suite. Alors là, je vais sécuriser mon deuxième oeil comme ça. Et voilà, notre petit bonhomme de neige a maintenant des yeux. Alors pour la prochaine partie, on va voir comment broder les joues ainsi que les sourcils. Si vous ne souhaitez pas faire de broderie pour le visage de votre bonhomme de neige, vous pouvez tout simplement sauter au tour 6. Alors on va commencer avec les joues. Donc vous allez avoir besoin de votre laine rose. Et je vais venir couper un petit fil de laine, je vous dirais d'environ 30 cm. Et là, je vais enfiler le fil dans l'aiguille. Pour la première étape de notre joue, on va venir insérer l'aiguille de l'intérieur de la tête vers l'extérieur, et ça tout près du premier œil, comme ça. Et là, je vais tirer l'aiguille au travers et je vais m'assurer de laisser un petit fil à l'intérieur de la tête. Ensuite, je vais sauter une maille et je vais aller insérer mon aiguille donc une maille plus loin et euh, je vais aller entre deux mailles et je vais ressortir l'aiguille dans mon point initial où j'ai débuté ma joue. Donc si je vous remontre, mon fil sortait ici, tout près de l'œil, et là je vais une maille plus loin, j'insère mon aiguille et je la ressors dans le point initial où j'ai débuté ma joue. Je vais tirer mon fil. Et là, je vais répéter ça deux autres fois pour avoir une joue qui est un petit peu plus épaisse. Donc ça, ça fait deux fois. Et là, je vais aller, pour terminer, insérer mon aiguille dans le deuxième point et je vais ressortir l'aiguille à l'intérieur de la tête cette fois-ci. Donc là, ma joue ressemble à ça. Maintenant, je vais venir couper mon fil et faire deux nœuds à l'intérieur de la tête avec les fils. Donc, j'utilise les deux fils et je vais faire tout simplement deux nœuds. Voilà. Puis, je vais venir répéter les mêmes étapes pour la deuxième joue. Alors, je vais insérer mon aiguille tout près de l'autre œil. Et je vais accélérer la vidéo pour la deuxième joue. Et voilà, j'ai mes deux joues qui ressemblent à ceci. Alors maintenant, je vais être prête à broder mes sourcils. Alors je vais utiliser un fil de laine noire et je vais venir couper encore une fois un fil d'environ 30 cm. Je vais enfiler le fil dans l'aiguille. Et là, pour le premier point du sourcil, on va venir insérer euh, notre aiguille centrée avec l'œil et on veut choisir une maille du tour 3. Donc ça c'est le tour 1, 2, 3. Donc je vais vouloir l'insérer au milieu du tour 3 et comme j'ai dit centrer avec l'œil. Alors là je vais juste venir retrouver une maille dans le tour 3 comme ça et je vais m'assurer que je vais pas dans un, entre deux mailles comme ça parce que sinon mon sourcil va un peu disparaître entre les mailles. Donc je vais vraiment venir insérer l'aiguille au travers d'une maille. Et je vais tirer mon aiguille et encore une fois, je garde un petit fil de laine à l'intérieur de la tête. Et là, je veux euh, descendre d'un tour ou d'un demi-tour, disons. Donc je vais aller insérer mon aiguille entre les tours 3 et 4, un peu en diagonale par rapport au premier point et je vais insérer mon aiguille dans la tête comme ça. Et là, ça me fait un premier sourcil. Je vais venir couper ma laine et faire mes deux nœuds comme pour les joues. Et là, pour le deuxième sourcil, je vais encore une fois trouver une maille du tour 3. Je vais insérer mon aiguille dedans. Comme ça. Et là, je vais descendre d'un demi-tour pour créer le deuxième point. Voilà, j'ai mon deuxième sourcil. Et là, encore une fois, je vais accélérer la vidéo pour faire mes deux nœuds. Voilà, les détails sont maintenant brodés et on va pouvoir commencer le tour 6. Et pour ce tour, on va faire des diminutions invisibles. Alors, je vais vous montrer cette technique-là. Alors, on va devoir faire 8 diminutions invisibles. Alors, je vais retirer mon marqueur et là, je vais utiliser seulement les brins avant de chacune des prochaines mailles. Alors, Normalement, lorsque vous insérez votre crochet, vous allez insérer le crochet sous les deux brins, donc sous le V si vous voulez. Euh, mais pour les diminutions invisibles, on va seulement venir chercher le brin avant. Alors je vais ressortir mon crochet au, en plein centre de la maille, comme ça. Et ensuite je vais aller chercher le brin avant de la prochaine maille. De la même façon. Alors là, j'ai la loupe qui était déjà sur mon crochet et j'ai les deux. Brin avant, je vais faire mon jeté en dessous, je tire au travers pour avoir deux loupes, je fais un jeté par-dessus et je complète ma diminution invisible. Alors dans le fond, on utilise deux mailles pour en créer qu'une seule. Je vais replacer mon marqueur. Et là, comme j'ai dit pour ce tour, on va faire huit diminutions invisibles. Alors, j'utilise le prochain brin avant, le suivant. Et je complète ma diminution invisible. Donc là, je suis à deux diminutions et je vais en faire six de plus. J'ai maintenant complété le tour 6. La tête ressemble à ça. Et maintenant, on va commencer le corps en faisant le tour 7. Donc pour le tour 7, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des augmentations dans chacune des mailles. Alors, on va commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc, on se souvient, une augmentation, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Là, je vais placer mon marqueur. Donc, je sais que je viens de faire deux mailles serrées. Alors, je vais venir placer mon marqueur dans la première maille de mon tour. Et là, je vais faire des augmentations dans chacune des mailles, comme j'ai dit, pour avoir un total de 16 mailles autour. Et là, je suis en train de faire ma deuxième augmentation. Et on va pouvoir se rejoindre à la fin du tour 7 avec nos 16 mailles. Voilà, donc je suis à la fin du tour 7, comme j'ai dit, et j'ai 16 mailles autour. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rembourrer la tête un petit peu. Alors, je vais utiliser ma bourrure de polyester et je vais tout simplement venir en ajouter au niveau de la tête. Comme ça. Et je veux juste m'assurer que la tête va être bien ronde. Alors une fois que j'ai ajouté de la bourre, je vais juste venir la modeler un peu avec mes mains pour m'assurer que la tête est ronde dans tous les angles. Voilà, comme ça j'aime le résultat pour l'instant, je vais en rajouter encore un petit peu. Parfait, maintenant on va pouvoir continuer avec le tour 8. Je vais réinsérer mon crochet dans la boucle, je vais retirer mon marqueur. Et pour le tour 8, je vais commencer avec une maille serrée dans la première maille. Alors, juste une maille serrée régulière. Je vais replacer mon marqueur. Et maintenant, dans la prochaine maille, je vais venir faire une augmentation. Donc, deux mailles serrées dans la même maille. Donc, ça fait une et deux. Et là, je vais répéter ce que je viens de faire autour. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc, ça, ça me fait. Une maille serrée, ensuite je vais dans la prochaine et je fais une augmentation. Je vais répéter ça encore une fois avec vous, donc une maille serrée régulière dans la prochaine et une augmentation dans la suivante. Je vous laisse donc répéter cette séquence-là pour avoir un total de 24 mailles à la fin du tour 8 et vous devriez terminer avec une augmentation dans la dernière maille. Voilà, je suis à la fin du tour 8, j'ai mes 24 mailles autour et mon bonhomme de neige ressemble à ça. Et pour les tours maintenant 9 à 11, on va garder le même nombre de mailles, donc toujours 24 mailles au tour. Alors je vais faire une maille serrée dans chaque maille pour un total de 3 tours. Donc pour les tours 9, 10 et 11, on va garder 24 mailles et on se rejoint à la fin du tour 11. Voilà, je suis à la fin du tour 11, j'ai 24 mailles au tour et mon bonhomme de neige ressemble à ceci. Et maintenant, on va pouvoir faire le tour 12 ensemble. Donc, je vais retirer mon marqueur. Je vais faire une maille serrée dans la première maille. Je vais replacer mon marqueur. Et en utilisant les deux prochaines mailles, je vais venir faire une diminution invisible. Donc, on se souvient qu'on utilise seulement les brins avant des deux prochaines mailles. Je vais faire mon jeté en dessous. Et je vais compléter ma diminution invisible. Donc, on va répéter ça pour tout le tour 12. Donc, une maille serrée régulière et une diminution. Encore une fois, une maille serrée régulière et une diminution en utilisant les deux prochains brins avant. Alors, vous pouvez répéter ça et on va se rejoindre à la fin du tour 12 avec 16 mailles et vous devriez terminer avec une diminution. Alors, je suis à la fin du tour 12, mon bonhomme de neige ressemble à ça. Je vais en profiter pour ajouter un peu de bourrure au niveau du corps. Je vais accélérer la vidéo pour qu'elle se soit plus rapide pour vous, mais vous pouvez rembourrer de votre côté également. Voilà, je vais laisser ça comme ça pour l'instant et maintenant on va être prêt à faire le dernier tour du bonhomme de neige. Donc le tour 13, et on va commencer en faisant une diminution. Et pour tout le tour 13, on va faire des diminutions. Donc vous devriez avoir un total de 8 mailles à la fin du tour 13. Alors là, j'ai mis mon marqueur, je vais faire la prochaine diminution avec vous. Et rappelez-vous qu'on avait 16 mailles dans le tour 12. Et là, comme on fait des diminutions au tour, on va finir avec un total de 8 mailles. Alors, on va se rejoindre à la fin du tour 13. Voilà, je suis à la fin du tour 13. J'ai mes 8 mailles. Mon bonhomme de neige ressemble à ça. Et là, ce que je vais faire, je vais retirer mon marqueur et je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine maille. Donc, je vais insérer mon crochet dans la prochaine maille. Je vais faire un jeté en dessous. Je vais tirer au travers du, de la maille et au travers de la boucle sur mon crochet pour faire ma maille couler. Je vais couper ma laine en laissant une petite longueur, tout simplement parce que je vais l'utiliser pour fermer l'ouverture sous le bonhomme de neige. Comme ça. Alors, je vous dirais que j'ai laissé environ euh, 10 cm. Et là je vais ajouter encore un petit peu de bourrure à l'intérieur de mon bonhomme de neige pour le compléter Voilà et maintenant pour fermer l'ouverture, vous pourriez le faire avec une aiguille, mais pour nous éviter à avoir inséré ce gros fil-là, je vais utiliser mon crochet donc je vais euh, insérer le crochet dans les brins avant des prochaines mailles. Donc, je vais toujours aller de l'intérieur du corps vers l'extérieur et comme j'ai dit, je vais utiliser seulement le brin avant de chacune des prochaines mailles. Donc, j'insère mon crochet, je vais venir enrouler la laine et je tire au travers. Ensuite, je vais aller identifier ma prochaine maille, seulement le brin avant encore une fois, toujours de l'intérieur vers l'extérieur et je vais répéter. Et là, je vais répéter ça tout autour. Jusqu'à temps que j'arrive à ma maille coulée. Maintenant, je vais être prête à fermer l'ouverture. Donc, je vais tenir la dernière maille et je vais tirer sur le fil doucement pour fermer l'ouverture sous le corps. Comme ça. Et là maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de cacher le fil. Alors, encore une fois, je vais utiliser mon crochet. Je vais l'insérer entre deux mailles à l'arrière du corps. Et je vais ressortir mon crochet par l'ouverture sous le corps. Comme ça. Je vais enrouler la laine et je vais tirer le fil au travers. Je vais répéter cette technique une deuxième fois. Alors, je vais entre deux mailles du corps. J'enroule ma laine et je la ressors. Comme ça. Et là, on va pouvoir tout simplement couper le fil. Et voilà. Donc, on a le corps et la tête de notre bonhomme de neige. Maintenant, on va faire le nez ensemble. Alors, encore une fois, si vous ne voulez pas de nez pour votre bonhomme de neige, vous pouvez aller directement au foulard. Donc, pour le nez, on va avoir besoin du crochet 4 mm avec le fil de laine orange. Et ce que je vais faire, c'est que je vais identifier deux mailles serrées qui sont entre les yeux. Donc, vous voyez ici, j'ai mes yeux et j'ai mes deux mailles serrées là. Et vous voyez, j'ai deux fils de laine. Donc, je vais insérer mon crochet sous ces deux fils de laine. Comme ça. Et là, je vais prendre ma laine orange, je vais la plier en deux et je vais la placer sur mon crochet. Je vais tirer au travers des fils de laine blanc. Et maintenant, je vais faire quatre mailles en l'air avec la laine orange. Alors, on se souvient, on fait un jeté, la laine est par-dessus mon crochet, je tire au travers de la boucle. Donc ça, ça me fait une maille en l'air et je vais en faire quatre. Donc ça, ça fait deux, trois, quatre. Je vais euh, légèrement tirer sur le fil juste pour serrer la maille euh, du bas du nez. Et là, je vais aller dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Pour venir faire une maille coulée. Donc, ça, c'est la première. Je vais dans la deuxième. Et comme j'ai dit, je vais venir faire une maille coulée. Donc, j'insère mon crochet. Je fais un jeté. Je tire au travers de toutes les boucles sur le crochet. Ensuite, dans la prochaine maille en l'air, je vais venir faire une maille serrée. Donc, j'insère mon crochet. Je fais ma maille serrée. Et dans la dernière maille en l'air, je vais faire une demi-bride. Alors, pour faire une demi-bride, on va faire un jeté. On va insérer le crochet dans la bonne maille. On va faire un jeté, on va tirer au travers de la maille en l'air pour avoir trois boucles. On fait un autre jeté et on tire au travers des trois boucles sur le crochet. Et maintenant, pour compléter le nez, je vais insérer mon crochet dans les mêmes deux fils de laine blanc. Et on va venir faire une autre maille coulée. Donc, je fais un jeté, je tire au travers de la laine blanche et je tire au travers de la boucle qui est sur mon crochet. Comme ça. Là, moi, ma laine est déjà courte, mais au besoin, vous pouvez couper votre fil de laine et tirer le fil au travers. Là, on va venir serrer en tirant sur nos deux fils. Et tout ce qu'il nous reste à faire pour le nez, c'est de cacher les deux fils de laine orange. Donc, on va utiliser notre aiguille de laine pour cette étape. Voilà. Et pour le premier fil, je vais venir insérer mon aiguille près euh, du petit fil orange qu'on voit ici. Et je vais l'emmener à l'arrière de la tête. Encore un petit peu plus loin. Comme ça. Et là, je vais faire la même chose pour l'autre fil de laine. Cette fois-ci, je vais insérer mon aiguille au bas du nez. Donc, vous voyez que ce fil-là ici, c'est le bas du nez. Donc, je vais juste essayer d'insérer mon aiguille au bas du nez, tout simplement. Et je vais apporter le fil exactement dans la même maille que l'autre fil à l'arrière de la tête. Comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais faire deux nœuds et je vais ensuite cacher les fils avec mes ciseaux. Donc je vais couper les fils avec les ciseaux et je vais ensuite pousser les nœuds à l'intérieur de la tête jusqu'à ce que les fils disparaissent. Voilà. Alors là, on a notre bonhomme de neige avec son petit nez orange. Et maintenant, on va être prêt à aller faire le foulard. Et ce sera la dernière étape de notre bonhomme de neige. Alors pour le foulard, vous allez avoir besoin de votre laine de la couleur de votre choix avec votre crochet 4 mm. Et là, on va faire un nœud coulant comme on a fait au début de la vidéo. Comme ça. Et vous allez faire 43 mailles en l'air. Donc, on fait un jeté, on tire au travers pour faire une maille en l'air et vous allez en faire 43. Donc, ça fait 2, 3, 4. 5. Alors on va se rejoindre une fois que vous avez vos 43 mailles en l'air de compléter. Voilà, j'ai mes 43 mailles en l'air de fait. Et pour compléter notre foulard, on va venir travailler des demi-brides encore une fois. Et je veux faire ma première demi-bride dans ma deuxième maille en l'air à partir du crochet. Par contre, je ne veux pas utiliser le brin sur le dessus de la maille en l'air. Donc je veux tourner. La, les mailles en l'air pour voir les petites bosses à l'arrière, et c'est dans ces petites bosses là que je vais insérer mon crochet. Donc vous voyez, j'ai une petite bosse tout près de mon crochet qui est la première maille en l'air, et moi je vais aller dans la deuxième, donc ce serait la petite bosse juste ici. Donc là, je, pour commencer ma première demi-bride, je vais faire un jeté, je vais insérer mon crochet. Dans la petite bosse à l'arrière de la maille en l'air. Je vais faire un jeté en dessous. Je tire au travers de ma maille en l'air pour avoir trois boucles sur mon crochet. Je fais un jeté par dessus et je tire au travers des trois boucles. Et ça, ça me fait une demi-bride. Je vais faire une autre demi-bride, mais cette fois-ci dans la prochaine petite bosse. Alors, de la même façon, je fais ma deuxième demi-bride. Et là, ce que je veux, c'est faire une demi-bride dans chacune des mailles. Et vous allez voir qu'en faisant les demi-brides dans les petites bosses arrière des mailles en l'air, ça va faire en sorte qu'on va avoir des V au-dessus et en dessous du foulard et que ça va faire un look final plus beau. Alors vous allez continuer, comme j'ai dit, en faisant une demi-bride dans, ch dans chacune des mailles en l'air pour avoir un total de 42 demi-brides. Je suis maintenant rendue à la fin de mon foulard, donc il ressemble à ça. Et je vais juste être sûre de vous montrer. Donc, vous allez euh, faire des demi-brides jusqu'au nœud. Donc, le nœud coulant qu'on a fait au départ. Donc, juste vous assurer de ne pas sauter cette dernière maille en l'air. Voilà. Et pour terminer, je vais faire une maille en l'air. Donc, ça va me créer un nœud. Je vais couper en laissant un petit fil de laine. Et je peux maintenant tirer le fil au travers. Donc, j'ai un nœud à la fin et j'ai un nœud au début. Et là, pour compléter notre foulard, on va couper trois fils de laine. Donc, je vais utiliser encore une fois la laine rouge. Et dans le fond, je veux juste créer une petite frange de chaque côté du foulard. Alors, je vous dirais que je laisse environ 10 cm de laine par fil. Donc, je vais en couper trois. Alors, j'ai Trois fils de 10 cm, donc j'en ai deux et un troisième. Je vais couper. Donc maintenant que j'ai mes trois fils de laine, je vais pouvoir les attacher. Donc il y en a une que je vais utiliser à la de ce côté-ci où j'ai mes deux fils de laine. Donc je vais insérer mon crochet dans le dans la dernière demi-bride que j'ai faite, comme ça. Je vais plier le brin de laine en deux et je vais le placer sur mon crochet puis le tirer au travers de la maille. Ensuite, je vais faire un jeté avec les deux fils et je vais tirer au travers de la boucle. Comme ça. Et là, ça me fait un petit nœud pour attacher le fil au bout du foulard. Et là, je vais venir couper ces fils-là. Donc, vous pouvez laisser la longueur que vous voulez. Je vais les faire assez courts. Et maintenant, on va pouvoir attacher les deux autres fils de l'autre côté du foulard. Alors, pour le, le prochain fil, je vais insérer mon crochet dans la première demi-bride qu'on a faite. Donc, juste ici, dans le V, je vais insérer mon crochet. Je vais répéter la même technique. Donc, je, la, je plie mon fil en deux. Je le place sur le crochet. Je tire au travers. Je fais un jeté avec les deux fils et je tire au travers de la boucle comme ça. Et maintenant, il nous reste un fil à attacher et cette fois-ci, je vais aller dans la maille en l'air qu'on a sautée au début. Donc, si vous vous souvenez, on était allé dans la deuxième maille en l'air. Alors, je vais aller dans celle-là qu'on a sautée, qui est au bout du foulard encore une fois. Et je vais répéter les mêmes étapes. Voilà. Et encore une fois, je vais venir couper les fils pour que ce soit de la même longueur que de l'autre côté. Et notre foulard est maintenant terminé. Il nous reste tout simplement à attacher le foulard au cou de notre bonhomme de neige. Donc je vais le placer au niveau du cou, sous le nez. Et je vais m'assurer que les deux bouts du foulard soient à égale distance. Et moi j'aime bien placer le foulard d'un côté, mais vous pourriez le placer euh, à l'avant ou euh, de l'autre côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon gros crochet et je vais l'insérer entre deux mailles pour que mon foulard se croise comme ça ici sur le côté. Donc je vais insérer mon crochet entre deux demi-brides, comme ça. Je vais venir prendre l'autre partie du foulard et tirer au travers des deux mailles, comme ça. Et voilà, votre bonhomme de neige est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Alors, s'il vous plaît, laissez un j'aime pour que je sache que vous aimez ce genre de vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.